En fait, le site, c'est un gros blog, si je peux le définir. C'est 7 blogueuses qui viennent de ces différents pays qui se réunissent pour porter un regard différent sur le Festival de Cannes. Certaines sont journalistes professionnelles et d'autres non. Donc c'est un tout petit peu, le matin on discute de tout ça, je demande quel traitement elles veulent faire des sujets qu'elles proposent. Donc il y en a une par exemple, la Togolaise, elle est journaliste de radio, donc elle fait pas mal de sons qu'on publie. Et puis il y en a qui font de la télé, la Libanaise elle fait de la télé, elle adore la vidéo et la photo, donc elle fait beaucoup plus des sujets télé. Et puis les autres écrivent. La seule contrainte c'est que pour chaque article il faut une photo. Et donc lorsqu'elles partent, elles partent avec un appareil photo, avec un petit bloc-notes, et elles notent, elles écrivent, elles m'envoient les photos et c'est moi qui publie. C'est une opération totalement conçue et prise en charge par Canal France International. Moi, je suis expert pour Canal France International et je m'occupe de coordonner le côté éditorial de ce site internet, c'est-à-dire coordonner la conférence de rédaction du matin, voir les sujets, aider les filles à trouver le bon angle. Et puis après, c'est moi qui m'occupe de publier. Donc tous les articles passent par moi avant d'être publiés. Je vais juste préciser que les articles sont en français et en anglais, ce qui donne pas mal de boulot de relecture et de réécriture, mais c'est une expérience très enrichissante, sachant que c'est différentes cultures qui se rencontrent, différents caractères aussi, mais avec pour objectif parler de Cannes et de tout ce qu'il y a autour de ce festival. Donc cette année, c'est une première d'essayer de travailler avec non pas les journalistes professionnels, mais avec des blogueurs et sous un format blog. Certaines sont journalistes, mais là, par exemple, elles peuvent utiliser la première personne, elles peuvent donner leur opinion. C'est pas vraiment du journalisme, c'est du blog. Et là, on a quand même pas mal de retours qui sont sympas. Et je me dis, pourquoi pas refaire une opération comme celle-là sur un autre événement ou pour les prochaines éditions.